Notre conférence a plusieurs objectifs. Tout d'abord, on veut faire lumière sur le fédéralisme fiscal au Canada. Le fédéralisme fiscal est un sujet crucial pour la Fédération canadienne, mais qui n'a probablement pas le débat public qu'il mérite, puisque souvent il peut paraître hautement technique. Mais de fait, il y a plusieurs façons de comprendre le fédéralisme fiscal au pays. Et c'est un autre objectif de notre conférence, de pouvoir le comprendre à partir de différentes disciplines. Souvent, les économistes ont dominé le débat sur le fédéralisme fiscal au pays. Évidemment, les économistes ont une contribution très importante à faire sur ce sujet, mais dans notre conférence, nous voulions aussi donner la parole à d'autres spécialistes des sciences sociales, des politologues, des sociologues, en plus d'historiens et de spécialistes des sciences juridiques. Finalement, un objectif très précis de notre conférence, évidemment, était de pouvoir faire ressortir des perspectives régionales de manière à les mettre en conversation. Donc, on veut que notre conférence sur le fédéralisme fiscal au Canada serve à avoir une conversation entre des gens de l'ouest du pays, du Québec, de l'Ontario, des provinces des Maritimes, puisque les perspectives des différentes régions du pays sur le fédéralisme fiscal tendent à diverger fortement, et donc on croit que c'est important qu'il y ait une conversation à ce sujet-là. La conférence va aborder quatre grands thèmes. Tout d'abord, on va examiner les fondations historiques et juridiques du fédéralisme fiscal au Canada. Ensuite, on va faire ressortir les différentes perspectives régionales sur le fédéralisme fiscal au Canada. Donc, on va avoir des intervenants qui vont nous parler des perspectives de l'ouest du pays, de l'Ontario, du Québec et des provinces des Maritimes. Par la suite, on va se pencher sur des enjeux spécifiques émergents pour le fédéralisme fiscal au Canada. Par exemple, le financement des communautés autochtones, un sujet crucial, mais rarement abordé dans les discussions sur le fédéralisme fiscal. On va aussi examiner les conséquences pour le fédéralisme fiscal canadien du vieillissement de la population au pays. Et finalement, on va regarder, examiner, discuter les arrangements fiscaux. Évidemment, c'est le cœur du fédéralisme fiscal, donc on va examiner le passé, le présent et aussi le futur du transfert canadien sur la santé, du transfert social canadien et du très important programme de péréquation.